Eh, t'aurais pas une clope? Non, je fume pas. Non. Et toi, t'aurais pas une clope? Non, mais en plus, je fume pas. Non. Et toi, tu... Ah non, 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 moi non plus. Vous avez raison, c'est meilleur pour la santé. Tant pis. Je me serais bien fait une petite, quand même, moi. C'est pas vrai, ça! Mais quand est-ce qu'on va sortir d'ici? J'en peux plus! T'énerve pas, Olivier! Ça me sert à rien. Attends, Jimmy, on a passé toute la nuit dans ce trou à rats, tu veux que je reste calme? On aurait dû les tuer, on sera là pour quelque chose. Et elle est sympa, ta veste. Ouais, ouais. Pas mal, ouais. J'en avais une comme ça, avant. Avant quoi? Quand je bossais, avant de me faire lourder, parce que j'étais trop vieux. Ah bon, vous... Ouais. Vous êtes retrouvé dans cette situation à cause du chômage? Bah ouais, mon gars, quand t'as plus de fric qui rentre, tu te retrouves à la rue. Remarque, je me plains pas. J'aime bien ça, c'est bien la rue. Mais ouais, ouais. Mais ouais, quand il fait trop froid, on se débrouille pour se faire embarquer, quoi. Quoi, vous voulez dire que vous avez fait exprès de vous retrouver ici, vous? Bah au moins, c'est chauffé. Mal, mais c'est chauffé. Et vous aussi, vous êtes retrouvé ici à cause du chômage? Ah non, 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 moi c'est par vocation. Anarchiste! Je me fous de la société et de ceux qui la dirigent! Tous des escrocs! Vous voulez que je vous dise? On a l'air sales comme ça, nous. Mais eux, à l'intérieur! Beaucoup plus sales que nous à l'extérieur! Et vous, vous avez fait la peau de qui pour vous trouver dans ce trou? Ouais, ils ont l'air sérieux avec vous, les flics, ils vous lâchent pas. Hein? Mais c'est n'importe quoi, tout ça, on a tué personne! C'est un malentendu, tout ça. Un malentendu! Vu la façon dont ils vous traitent, ça m'étonnerait. Et on s'y connaît, hein? Ouais, ils ont l'air propres sur eux. Remarque, c'est ça les grands caïds. Nickel chrome à l'extérieur. On n'est pas des caïds. On a juste essayé de venger une amie. Ça a mal tourné, c'est tout. Ah ouais? Raconte l'histoire, mon gars. Non, tais-toi, Jimmy, on n'a rien à vous dire. Pour que ça nous tombe dessus après, non merci. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? On est moins que rien! Le néant! Allez, vas-y, raconte. Ça nous fera des souvenirs. Alors, on a une amie qui s'est fait violer par trois salopards. Alors, on les a retrouvés, on les a tabassés. Ils ont appelé les flics et voilà. Hey, ils étaient bourrés, les flics. Normalement, c'est les trois autres types qui auraient dû être à votre place. Ouais, apparemment, oui. Mais c'est ces salauds-là et ils avaient des relations. Ah ouais, classique, quoi. Mais quand je vous dis que la société est pourrie, ouais. Mais tout est pourri, les flics sont pourris. Du calme, la cloche! Et du tu calme. Me passes sur un autre ton, petit! Du calme! Vous trois, là, vous venez, l'inspecteur va vous interroger. Salut, les gars. Salut, la jeunesse! Commencez à s'amuser, quoi! Oui, mais je sais, mais j'ai pensé que... Mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, Gilles, si tu pouvais nous rendre ce service, ce serait vraiment super. Ouais, d'accord. Hein? Ok. Je te remercie. Oui, moi aussi. Au revoir. Alors? Il va foncer au commissariat pour savoir... S'il peut faire quelque chose. Ouais, mais il va réussir à faire sortir le garçon de prison ou pas? Il va essayer. J'espère qu'il va y arriver. Non, mais c'est pas possible, ils vont pas finir en prison quand même. Écoute, Bénédicte, ne te mets pas dans un état pareil. Tout va bien se passer. Gilles, c'est un très bon avocat. De toute façon, tout ça, c'est de ma faute. Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller avec ces trois types? Bon, hé, tu vas arrêter de te passer, de repasser le film, là. C'est fait, écoute, c'est... on peut pas faire autrement, d'accord? Hein? En attendant, s'ils sont en prison, c'est à cause de moi. Mais non, ma puce. Ils n'auraient pas dû faire justice eux-mêmes, c'est tout. Oh. Non, mais si au moins on savait comment ça s'est réellement passé, quoi. Non, mais moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Le monde est pourri, voilà. Il y a des espèces de types dégueulasses, des véritables ordures qui violent des filles, et puis il y a les bons qui trinquent, quoi. Mais c'est... qui ça peut attends, être? Attends, bouge pas, j'y vais. Salut les filles. T'étais où, toi? Bah, j'ai passé la nuit au poste de police. Comment ça? Tu étais avec les garçons quand ils se sont fait arrêter? Ouais. C'est...
c'est moi qui leur ai donné l'adresse de ces types. Est-ce que tu les connaissais? Ouais. Je connaissais ces trois salauds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Bah, on a été chez eux, enfin, chez l'un d'eux, Arnaud, et ils étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, il y avait deux types et... José, Jimmy, Olivier, les ont tabassés, ils se sont fait massacrer. Mais malheureusement, on n'a pas vu que le troisième était dans la pièce d'à côté à téléphoner à la police. Voilà. Ça y est, je comprends mieux. Et la police est arrivée et en deux secondes, les garçons se sont retrouvés dos au mur avec toutes les charges contre eux. Quoi, les charges contre eux? Mais ils leur ont même pas dit que s'ils étaient là, c'était parce que Manuela s'était fait violer? Mais si, ils leur ont dit, mais bon, les flics les ont pas cru, c'est tout. De toute façon, les autres étaient tellement amochés que, bon, bah, ils se sont fait arrêter pour coups et blessures, et puis c'est tout, voilà. Attends, comment ça, ils les ont pas cru? Bah oui, pour eux, y a pas de preuves réelles, voilà. C'est ta parole contre la leur. En plus, leurs parents ont le bras très long. Oh. Et toi? Bah, j'ai passé la nuit au poste aussi, mais en tant que témoin, c'est tout. Ils m'ont posé 12 000 questions et j'ai essayé de défendre les garçons comme j'ai pu, mais je crois que ça servait à rien du tout. Tu dois t'épuiser, toi. Je crois que je vais aller me coucher un peu, là. Toi, Manuela, ça va? Ouais. C'est surtout pour les garçons que je m'inquiète, quoi. T'en fais pas. Je pense que ça va s'arranger. J'espère. Bon, bah, je vais aller dormir un peu. Je vais vous laisser, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Nathalie. Bon, Linda, t'es sûre que c'est un bon avocat? Mais oui, Lali. Non, mais il a déjà gagné un procès, au moins? Lali, arrête, s'il te plaît. Mais je me renseigne. Écoute, c'est déjà bien sympa qu'il accepte de nous aider. Si Linda nous dit que c'est un bon avocat, on peut lui faire confiance, non? Bon, d'accord. Bah, excuse-moi, Linda. C'est pas grave, Lali. Et derrière, le voilà. On est là, Gilles. Bonjour, Linda. Bonjour. Et merci d'être venue. Bon, écoute, je t'en prie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, moi, c'est Bénédicte. Enchantée. Lali. Enchantée. Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés, non? Oui, oui, on s'était vu pour une de tes amies qui avait un problème à propos d'un contrat de disque. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la première fois que tu me rends service. Écoute, c'est normal. Bon, alors, je reviens du commissariat, c'est pas aussi simple que je le pensais. Ah bon, pourquoi? Vous leur avez quand même bien dit que c'était eux qui avaient violé Manuela, non? Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'ils ont été pris en flagrant délit. C'est donc eux qui sont considérés comme les agresseurs. C'est nul, y a pas de justice ou quoi? Calmez-vous, bien sûr qu'il y a une justice. Le tout, c'est... il faut du temps. Bon, je vais essayer d'avancer. Est-ce que votre amie est allée déposer une plainte pour le viol qu'elle a subi? Pas encore, mais elle va le faire ce matin, je pense. Bien. Il faut qu'elle le fasse d'urgence. Bon, très bien. Alors, quand elle aura porté plainte, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, les autres vont certainement... nier. Donc, il va falloir organiser une confrontation entre votre amie et les trois garçons qu'elle accuse de viol. Dites-moi, est-ce que vous savez si elle est allée à l'hôpital pour se faire soigner? Oui, oui, dès qu'on l'a retrouvée. Bien. Et à l'hôpital, est-ce qu'elle a demandé une recherche d'ADN? C'est quoi exactement, ça? Eh bien, c'est un examen qui permet d'identifier les violeurs par leur gène. Et c'est quand, Clément? Bah, écoutez, oui, c'est très au point, oui. Et ça prend combien de temps, cet examen? 2 ou 3 semaines. 3 semaines? Ça veut dire que nos garçons vont rester 3 semaines en prison? Bah, écoutez, j'ai bien peur que oui. Mais s'il est prouvé que ces garçons ont bien violé votre amie, la peine infligée à vos copains pour coups et blessures pourra certainement être réduite. Et là, j'aurai de bonnes chances d'obtenir le sursis. Mais c'est pas normal, ils n'ont rien fait, eux. Ce sont quand même les autres qui ont violé Manuela, non? Mais je sais, mais ils n'auraient pas dû se substituer à la justice. Et ces monstres-là, ils vont prendre combien de temps de prison? Si on réussit à prouver le viol, ils risquent 20 ans de réclusion chacun. C'est tout? Bah écoutez, 20 ans, c'est beaucoup. Mais c'est rien, alors que Manuela risque de gâcher complètement sa vie. Oui, je comprends. Mais bon, écoutez, c'est à vous de l'aider à s'en sortir maintenant. Hein? Ok. Merci, Gilles. Bon, moi, je vais retourner voir vos amis parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mmh. D'accord? Vous pouvez les embrasser de notre part? Oui, bien sûr. Bon, j'y vais. Je vous tiens au courant. Hein? D'accord. Merci, Gilles, à tout à l'heure. Salut, et ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Gardez confiance. À bientôt. Ah bah
moi je sens pas cet avocat, il va nous planter, c'est sûr. Hein? Oh Jimmy, bah, José, laisse-lui le temps de travailler sur notre cas. C'est déjà sympa d'être venu ici. Non, mais tu parles, c'est un copain de Linda, ouais. Et en plus, je suis sûr qu'il est amoureux d'elle. Mais alors ça change rien au fait qu'il soit avocat, hein? Mais il pourra rien faire pour nous une semaine. T'entends, Olivier, une semaine? Arrête, José. Ça sert à rien de nous saper le moral ici. De toute façon, on est là. On aurait dû le tuer, ce type. C'est ridicule, ça. Ridicule? Mais non, mais t'es malade ou quoi? Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à Manuela? Hein? Vous vous rendez compte? Mais bien sûr qu'on s'en rend compte, José, mais de là à les tuer, ça va pas, non? Vous me dégoûtez. Vous n'avez aucun sens de la morale et de l'honneur. José! Il n'y a aucune morale, ni aucun honneur à tuer un être humain, quel qu'il soit. Hé, hey, José. Tu réalises si tu devenais un assassin, hein, le poids traîné jusqu'à la fin de tes jours? Ouais, bon, ça va, ouais. Votre avocat veut vous parler. Ils sont là. Merci. Vous avez 5 minutes. Merci. Bon, alors vous avez vu les filles? Oui, elles vous embrassent fort. Elles vont comment? Bien, mais elles s'inquiètent beaucoup pour vous. Bah, nous aussi on s'inquiète, hein. Vous allez nous faire sortir d'ici. Ça, c'est pas si simple que ça, finalement. Ces trois types, vous les avez pas mal tabassés. Hein. On les a pas loupés, hein. On les a massacrés. Surtout, ne dites jamais ça quand vous serez devant le juge et devant les jurés. Mais pourquoi? Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, ces trois violeurs. Pour l'instant, il n'est absolument pas prouvé que ces garçons aient violé votre ami. Hein? Mais d'où il sort, lui? C'est Linda qui nous envoie celui-là? Mais il sort d'une pochette surprise. Ah, Joseph, laisse-le parler. Écoutez, je comprends tout à fait que vous soyez furieux, mais la justice, ce n'est pas aussi simple que ça. Un viol, ça doit être prouvé. Ces trois garçons, est-ce que l'un d'entre vous les connaissait avant, à part votre ami Manuela? Hein? Mais je sais plus, avec tout ce qui s'est passé hier, j'ai la tête qui a explosé. Moi. Mais si, on sait. Souvenez-vous ce que nous a dit Nathalie? Nathalie, mais qui est-ce? C'est ma petite amie. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bah, elle nous a dit qu'elle les connaissait, quoi. Et dans quelles circonstances est-ce qu'elle les a connus? C'était des amis à elle? C'était... Bah, on peut pas vraiment dire que ce soit des amis, non. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, là? S'il y a quelque chose d'important à savoir, il faut me le dire. Enfin. Ouais, bah, en fait, sa copine, elle a eu affaire à ces trois mecs. Oui. Seulement, la différence, c'est que elle était consentante. Tu veux que je te mette un peu de musique pour te détendre un peu? Non, ça va, merci Lali. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, l'avocat? Il va falloir que tu portes plainte. Et qu'est-ce qui se passera après? Après, tu risques d'être confronté aux trois types qui t'ont violé. Non, ça je veux pas. Non, ça je veux pas les revoir. Non. Bah, Manuela, écoute. Si tu ne le fais pas, ces types vont continuer à courir. Ils seront libres jusqu'à la fin de leur jour. Et nos garçons resteront en prison. Non, mais attendez, les filles, c'est horrible, quoi. Je peux pas revivre ça. Non, laisse bien. Mais fais-le pour toi et pour le garçon. Je sais que c'est dur, mais vraiment, tu dois le faire. Bon. Et qu'est-ce qui se passera si je porte plainte? Leur avocat demandera au juge une ordonnance d'examen pour une recherche d'ADN. L'ADN, c'est quoi ça? C'est une recherche génétique. Ouais, c'est comme une sorte de carte d'identité génétique, quoi. On va regarder tout simplement dans ton corps s'il y a des traces du violeur, c'est tout. Ils t'ont bien fait des examens à l'hôpital, non? Oui, mais... Mais quoi? Je crois que j'ai refusé les prélèvements. Je pensais pas que ça servirait. Comment ça, Manu? Ils t'ont pas expliqué là-bas? Mais tu sais, vu l'état dans lequel j'étais, tout ce que je voulais, c'est qu'on me touche plus, quoi. Oh non, 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 non. C'est grave. Mais non, ne t'inquiète pas, on trouvera une autre solution. J'y vais. Si elle a refusé le prélèvement, c'est impossible de faire un test d'ADN. Comme ça, elle pourra jamais prouver qu'ils l'ont violée. Bah ouais, puis ça va être sa parole contre la leur, quoi. Bon. Agile, on t'attendait. Alors, tu as vu les garçons? Oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pensez que vous pouvez les tirer d'affaire? Écoutez, je vais faire de mon mieux, mais c'est pas simple. Ah, alors c'est à vous que sont arrivés tous ces malheurs. Ouais. Ben,
Merci de vous occuper des garçons. Écoutez, de rien. Je vais faire tout ce que je peux. Manuela, on va laisser les filles parler avec l'avocat. Ça ne sert à rien que tu restes là. On va prendre thé, d'accord? T'as raison. Excusez-moi, mais je crois pas que j'ai la force d'entendre encore. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai un problème. Oui. Manuela a refusé le prélèvement à l'hôpital. Donc le test d'ADN, c'est impossible. Ah, c'est ennuyeux, ça. Mm. Mais pourquoi est-ce qu'elle a refusé? Oh, parce qu'on lui a rien expliqué, je pense. Mm. Bon. Bon, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Dites-moi, il y a un de vos amis qui m'a parlé d'une certaine Nathalie. J'aimerais bien lui parler. Où est-ce que je peux la trouver? C'est moi. Ah, très bien. Bon, voilà. Est-ce que je peux vous parler? J'ai quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr. Vous préférez peut-être qu'on aille dans un endroit plus tranquille? Non, j'ai rien à cacher à mes amis. Comme vous voudrez. Bon. Voilà, je sais que vous connaissez les trois garçons qui ont violé votre amie Manuela. J'aimerais savoir dans quelles circonstances vous les avez connus. Vous voulez que je témoigne contre eux, c'est ça? Oui, en effet, oui. Bah, écoutez, tout ce que j'ai à dire à propos de ces types, c'est trois obsédés sexuels, mais je m'en suis jamais plainte. Attendez, vous voulez dire que vous avez eu des relations avec ces trois garçons et que vous étiez consentante, c'est ça? C'est ça, oui. Et au cours de cette relation, est-ce qu'ils ont été violents avec vous ou est-ce qu'ils ont pratiqué des choses, comment dirais-je, bizarres? Oui. Écoutez, si ça ne vous dérange pas de témoigner, ça pourra toujours nous servir pour dresser leur profil psychologique. Mais écoutez, je suis d'accord pour témoigner. C'est parfait. Et vous allez réussir à faire sortir nos garçons de prison? Écoutez, dans ce genre de procédure, tout dépend de la nature des coups reçus. Là, apparemment, enfin, j'ai pas vu les garçons qui ont été battus par vos amis, mais ils s'en sont donnés à cœur joie, hein. Oh oui, non, mais faut les comprendre aussi. Vous avez vu l'état de notre copine? Oui, je sais. C'est pour ça qu'il faut absolument déposer plainte contre eux. Ça n'empêchera pas les garçons de purger leur peine, mais ça permettra au moins à la justice de suivre son cours. Et qu'est-ce qu'ils risquent, alors? Dans un cas comme celui-là, pour coups et blessures volontaires, écoutez, entre 2 mois et 2 ans de prison ferme et entre 500 et 2000 francs d'amende, chacun. Oh non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas rester tout ce temps-là en prison. Eh oui, mais... Non, mais on va trouver une autre solution. C'est tout. Y a quelqu'un? Lali? Mais comment elle sait que c'est moi? Parce qu'il y a que toi qui descends en pleine nuit pour vider le frigo. Ça y est, c'est bon, elle est partie. Allez, viens. C'est un piège, elle veut nous faire parler. Elle veut essayer de nous enregistrer. Mais non, mais ça va pas avec le bruit qu'il y a ici, mais tu plaisantes quoi? Non, non, sérieusement, j'ai trouvé ça chouette hier. Hein. Attends, quoi, t'as trouvé ça chouette? Tu te fous de nous quoi? Elle s'est débattue comme une folle. Non, mais attendez, c'est normal, c'est vrai. Sur le coup, j'ai paniqué.
C'est la première fois que je faisais ça à plusieurs, alors. Ouais, et puis moi, je lui ai dit qu'elle était complètement stupide, qu'il fallait pas paniquer dans ce genre de situation, que faire un truc avec trois garçons, mais ça devait être génial. Bah, c'est pour ça qu'on est revenues toutes les deux. Ouais. Bah, si vous êtes toujours d'accord, hein. Non, mais vous délirez, là, ou quoi? Non, c'est sérieux. Ouais, c'est ça. Et vos deux copains qui nous ont cassé la gueule, là, ils étaient sérieux, aussi? Ouais, bah non, non, pas du tout. Enfin, moi, je leur ai dit qu'ils étaient vraiment stupides, qu'ils n'auraient jamais dû se mêler de ça. Enfin, ça les concernait pas, quoi. Bon, bah quoi, vous dites la vérité? Vous voulez qu'on recommence? On se fasse une petite partie à 5? Bah ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend, alors? On va se partir, les filles, hein. On y va. Moi, j'en avais jamais vu des comme ça avant. Ouais, et regarde la banquette derrière. Tu vas voir comment elle est confortable, celle-là. Ah bah, je comprends pourquoi, en fait, hier, je me suis débattue. C'est vrai, quoi, j'ai pas eu droit au grand luxe. J'ai eu droit juste à la petite voiture. Ah, c'est vrai qu'on t'a un petit peu sous-estimé, Manuela. Mais ce soir, tu vas avoir droit au grand jeu, tu vas voir. Allez, les filles, un peu de champagne, là, ça va vous faire péter la tête. Oh, c'est bon. Vous dépêchez-vous de finir vos verres. J'ai meurs d'envie de m'occuper de vous, moi. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, je t'enlève tes chaussures. J'ai pas envie que tu salisses les sièges. Ah, il faut enlever ses chaussures. Ah, très bien, très bien, très bien. Tu me déshabilles? Pas de problème, alors on commence. Oui, on commence. Attends, juste un truc. Je vais prendre des préservatifs. Oh, l'autre, pourquoi faire? Eh ben, parce que je prends mes précautions, d'accord? Ok, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est un revolver. Je vais faire sauter ta petite cervelle si jamais vous signez pas un papier sur lequel est marqué tout ce que vous avez fait, Manuela. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle vient de nous dire que ça lui a plu. Mais bande de minables, vous croyez vraiment que ça m'a plu? Mais vous avez quoi à la place du cerveau? Tenez, voilà un petit papier avec marqué tout, noir sur blanc, tout ce que vous m'avez fait. Alors maintenant, vous signez. Bon, là-bas, tu signes. T'as une crampe à la main, peut-être? Tu veux que je te les dégourdisse, tes mains? La prochaine fois, c'est la tête qui saute. Non, arrêtez, vous êtes complètement folle! Mais c'est vous, bande de dégénérés! Alors, je vais commencer par qui? Tiens, je vais commencer par toi, le binocle au milieu, là. Non, je te supplie, fais pas ça. On fera tout ce que vous voulez. Vas-y, signe! Signe, Bob! Très bien, à vous maintenant. Tu vois, c'est bien. Un petit flingue, ça les rend doux comme des agneaux. Et en plus, ça fait venir des gentils messieurs en uniforme qui vont s'occuper de vous, messieurs. Tu seras toujours.